Ouais, de venir chercher des points ici au Parc des Princes, c'est jamais évident. Et voilà, je pense qu'on a mis quelque chose de bien en place, c'est d'aller les presser et d'aller les embêter. C'était pas l'habitude et ça s'est vu ce soir, c'était peut-être moins bien. Nous, on a pris les risques, mais du coup, ça a payé. Donc, c'est bien d'avoir pris ce point. Ce point, c'est un point positif, même si on en espérait beaucoup mieux. Là, c'est comme ça. C'est bien d'avoir pris un point. Votre défense a bien tenu, seulement pour le pénalty qui est arrivé, qui a tout changé. Oui, surtout qu'apparemment, il n'y a pas pénalty. Après, l'arbitre le verra sur les images. C'est difficile en direct pour lui de donner la décision. Mais c'est vrai que c'est quand même deux, trois, voire deux, en tout cas deux. Voilà, c'est ce qui est décevant parce qu'à partir de là, psychologiquement, ça les remet dans le match. Nous, on est un peu moins bien aussi, on recule et du coup, on se met en difficulté. Donc, ouais, je pense que ça part de ce pénalty. Malheureusement, qui n'existe pas, et qui nous fait repartir qu'avec un coup. Une question personnelle, c'est l'équipe de Guingamp qui a le plus d'anciens, à mon avis, hein, vous parlez beaucoup créole. On est pas mal, oui, je ne sais pas combien on est, mais on doit être certainement 8-9. Guadeloupe, Martinique, il y avait Guyanais, mais il n'y a plus. Enfin, voilà, on est, quoi que si, il y a un nouvel Guyanais qui vient d'arriver. Oui, il y a beaucoup d'Antillais, tant mieux, c'est bien, une petite communauté, c'est sympa. Et on reste avec les couleurs locales. Donc, le petit Guyanais qui est arrivé, il s'appelle comment? C'est Nathaël, qui vient du Havre, et voilà, donc, qui est malheureusement pour l'instant blessé, mais qui reviendra prochainement et qui sera mort. Ok, mais c'est sûr, bon. Ou toujours dispo, c'est ça? Ben oui, c'est important, ouais, normal. Oui, c'est bien ça. Ou pas au capacité, pendant les vacances. Ouais, toujours.